Allez, salut à tous! Salut, salut! Est-ce que vous m'entendez bien avant que j'aille plus loin? Parce que des fois j'ai des bugs en début de vidéo là. Alors, je remonte un petit peu dans mon message. Salut, Seyart! J'espère que vous m'entendez quand même. Salut, Safouen! Salut, Samuel! Salut, Blair! Salut, Killy Art! Salut, Arizona! Salut, Tricor! Salut, ben après, j'ai tout vu tout le monde là, je pense. Alors, ça va tout le monde? Ouais, tout le monde va bien apparemment. Donc, Blair, c'est ton métier dessinateur? Oui. Nickel, ok, ok. C'est yo, 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 salut à tous. Alors, combien vous êtes ce matin là, à suivre ce tuto? Parce qu'on va faire un tuto, vous allez dessiner en même temps que moi là. Eh oui. Oui, on t'entend très bien. Ok. Alors attendez. Mettre un petit peu de musique là. Hop. Lecture. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Alors. Attendez, je vais voir si ça c'est bien réglé par contre. Voilà, normalement, vous devriez entendre un petit peu la musique, je pense. Si elle est trop forte, vous me le dites. Alors, qui va dessiner du coup ce matin en tant que moi là? Alors, vous êtes que 5? Que se passe-t-il? Tout le monde dort là? De bon matin là. Et alors? Alors, donc aujourd'hui on va voir comment dessiner du coup des visages. Donc des visages de tout type, que ce soit manga, BD, cartoon. Une fois que vous connaissez la technique, vous pouvez dessiner même après d'imagination. Donc c'est ça qui est bien en fait. Alors qui va vouloir dessiner en même temps que moi là? Pendant que j'explique tout ça, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez une feuille, votre carnet de croquis, un crayon? Est-ce qu'on peut démarrer? Je suis plus avec la tenue du Père Noël, non, pas ce matin. Non. Je prépare un pochoir, désolé. Eh bien, écoute. Moi. Allez, combien vous allez être là pour dessiner en même temps que moi là? Parce que je vais expliquer, je vais commencer. Donc si vous voulez commencer en même temps que moi, ben, vous allez prendre un crayon et un carnet de croquis. Ou alors, si vous voulez regarder, vous regardez, vous ferez plus tard. Il y aura la rediff de toute façon. Je vais chercher une feuille. Ok, Samuel. Allez, 2 secondes. Allez-y, je vous laisse le temps de vous préparer. Du coup. La musique, vous l'entendez derrière ou pas? N'hésitez pas à partager la vidéo hein, sur les réseaux. Alors. Le temps, je vais préparer un petit peu mes dossiers là. Tant que tout le monde se prépare. Alors pour question de simplicité, du coup, j'ai fait par digital. Comme ça, vous verrez mieux, je pourrais mieux vous expliquer. Sinon, ça serait très compliqué avec du papier, là. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, je vais essayer de faire des dossiers, ça sera plus court. Pour moi, plus facile. Ok. Allez. Oui, un peu. La musique. Bon, je vais la laisser comme ça, la musique, ce soit pas trop fort non plus. Moi, non, je regarde. Et alors, il faut dessiner, là. C'est quoi cette histoire? C'est bon. Allez, on y va. Donc, alors, je vais expliquer les bases, vite fait, pour dessiner un visage de face. D'abord, avant de vous montrer un modèle.
pour que vous compreniez un petit peu déjà le fonctionnement. Salut FC. Allez, si t'es prêt, si tu veux dessiner avec nous, on va faire des visages. Manga, donc il y a des modèles, il y a un peu de tout. D'abord, on va parler des bases. Là. Donc, premièrement... Alors, attendez, je vais supprimer tous ces calques, là, que j'ai pas besoin. Là. Tac, celui-là, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Hier, j'ai dessiné 1h30. Ok. Donc, pour commencer, quand on veut faire un visage... Déjà, il faut comprendre la structure de base d'un visage. Donc, on va avoir un rond. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément rond. Vous voyez, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire même un truc un peu avec plusieurs traits. Au final, on ne le verra pas, ça, de toute façon. Mais le principal, c'est que vous appuyez pas beaucoup sur votre coup de crayon. C'est pour ça que je le fais en rouge. La structure de base, je vais la dessiner en rouge pour que vous compreniez bien. Une fois que vous avez fait ça, on va dessiner... Donc ça va représenter la base du crâne, en fait. Ça veut dire du sommet du crâne jusqu'au bas du nez, à peu près. On va dessiner un trait vertical qui va être à peu près au milieu du visage. Enfin, à peu près, qui normalement doit être au milieu du visage. Donc faites bien attention. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va définir où arrive à peu près notre menton. Donc ça, on regarde la hauteur totale du visage. Si le personnage a un visage plutôt allongé, plutôt rond, donc il faudrait remonter un petit peu le menton. Salut Audric, tu vas dessiner avec nous ou pas? On va faire des visages là. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va définir du coup les côtés de la mâchoire, comme ceci, ces deux côtés qu'il y a là, et après on va rejoindre la base du menton, comme ceci. Voilà. Là, on va dire que déjà on a une bonne base. Maintenant, il manque à définir une dernière ligne. Ça va être la ligne qui va être au niveau des yeux, ici, là. Voilà. Elle se trouve à peu près, logiquement, au milieu du visage. Après, ça va dépendre des styles de dessin, hein, des styles manga, style cartoon. Voilà, on peut styliser comme on veut, donc ça peut varier. On peut avoir la ligne un peu plus haute, un peu plus basse. Mais de base, logiquement, si on veut avoir un visage construit sur les bases anatomiques humaines, la ligne des yeux se trouve au milieu du visage. Donc quand je dis au milieu du visage, ça veut dire que je veux parler entre le sommet du crâne et le bas du menton. Donc je trace un trait, et à peu près, on est à peu près au milieu, donc on a à peu près la même mesure entre là et là. Est-ce que déjà vous comprenez le truc là? Est-ce que vous arrivez à suivre là, pour l'instant? Je vais sauvegarder cette teinte là. Où est-ce que j'ai mon nuancier là? Est-ce que c'est bon pour vous déjà là? Eh bien, là. Bon, je vais peut-être faire. Après, en bleu, on va faire plusieurs trucs, vous allez voir, comme ça vous allez mieux comprendre. Et après, en noir à la fin pour ancrer. Ça, on va le monter. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, là? J'ai commencé un dessin de l'équipe 7 de Naruto. Je galère la tête de Sakura de profil, je rame. Alors, aujourd'hui, on est sur les visages de face. J'arrive pas à la rendre belle, ça rend pas bien, je continue. En même temps. Ok, ben écoute, oui, c'est bon. Allez, on y va. Donc du coup, une fois qu'on a ça, ça c'est une base qui va fonctionner pour tous les dessins. Alors vous inquiétez pas, après on va mettre des modèles, on va mettre du Naruto, du Demon Slayer, du My Hero Academia. Il va y avoir un peu de tout comme visage pour vous expliquer tout ça. Une fois qu'on a ça, on va construire après nos éléments. On va placer nos éléments. Ça veut dire que logiquement, sur un visage anatomique qui se rapproche des normes humaines comme nous, on a des yeux qui sont assez petits, hein. Donc il faut bien penser à laisser un écart assez important entre les deux yeux. Souvent, on rentre un œil ici, là. Minimum un œil, voire un peu plus. D'accord? Logiquement, on pourrait même en rentrer, vous voyez, 5 au total. 1, 2, 3, 4, 5. En tout. Je reçois la XP peine... Je reçois. Tu l'as reçu? Ah, Noël! Ah, mais cool, Shadow!
Ouais, si tu vas te régaler avec cette tablette, elle est top. Oh, beau gosse. Yo, c'est quoi ce pseudo là? HBG, je vais t'appeler. Alors, on y va, je reviens en arrière. Une fois qu'on a placé à peu près l'emplacement des yeux, donc je définis d'abord la hauteur de la hauteur de la paupière supérieure, je veux dire. Alors, faites bien attention. Ceux qui sont droitiers, si vous êtes droitier comme moi, il faut commencer toujours par la partie gauche. D'accord? Si vous êtes gaucher, vous allez commencer par la partie droite. Pourquoi? Tout simplement parce que si je commence, en tant que droitier, je commence à faire mon œil ici. Si je viens après dessiner l'œil gauche, ma main risque de me gêner là. Vous voyez, je ne vais plus avoir de visuel sur mon œil de droite pour placer l'autre œil. Et du coup, peut-être je risque de ne pas le dessiner à la bonne hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes droitier, vous commencez par la gauche, à dessiner à gauche et vous venez vers la droite. Et si vous êtes gaucher, vous commencez par la droite et vous venez vers la gauche. Une fois qu'on a fait ça, on peut placer notre iris. Donc l'iris, il faut faire attention. Il faut qu'il soit en fait caché. Le rond, la partie supérieure du rond de l'iris est cachée par la paupière supérieure. Voilà. Après, on peut venir placer un petit croissant de lune comme ceci pour placer notre pupille. Alors, pourquoi un croissant de lune? Tout simplement parce qu'en faisant comme ceci, je donne une impression de lumière ici, là, dans cette zone. Voilà. Allez, une fois qu'on a placé nos yeux, on peut dessiner le nez qui va se trouver à la moitié inférieure du bas du visage, donc c'est-à-dire à la base du rond ici là. Donc là, on va pas faire un truc trop compliqué, on va juste faire un truc comme ça. Voilà. Salut le peu dada. Allez, n'hésitez pas à dessiner en même temps que moi, comme ça on va faire après des visages connus de manga connus, de cartoon et tout et tout. Une fois qu'on a fait ça, on redivise en deux la partie inférieure entre le bas du nez. Alors je vais baisser la musique, sinon je m'entends pas en fait. C'est trop fort. Vous n'allez pas l'entendre, mais c'est pas grave. On redivise en fait en deux de là à là. Et on place notre bouche. Alors la bouche, on va faire très simple. Hein. C'est vraiment très simple, c'est juste pour vous expliquer là. Re, Matmata. Une fois qu'on a fait ça, il ne manque plus qu'à placer les sourcils. Donc les sourcils vont se trouver forcément au-dessus de la ligne des yeux. Hein. Donc là, faites attention aussi à placer votre sourcil au bon endroit. Alors vous allez voir qu'après, on va arranger tout ça. Hein. Là, c'est pareil, ici, je pourrais donner un truc, un effet plus réaliste au niveau de... Merde. Au niveau de la bouche, hein. Je pourrais faire quelque chose comme ça. Voilà. Coucou, je viens de finir mon Kakashi. Comme d'habitude, trop bien, c'est Ligo Art LG. Ouais, c'est Ligo Art LG, mais du coup, c'est maintenant c'est Lionel Art. Yo, ah, du digital. Ouais, c'est plus facile pour expliquer parce que. Sinon, il me faudrait trop de papier à côté, là, ce serait trop galère. Une fois que vous avez fait ça, on va placer les oreilles. Donc, les oreilles vont se trouver. Elles vont commencer, en fait, sur la ligne des yeux, là, ici, jusqu'au bas du nez. Voilà, elles vont se trouver dans cette zone-là, les oreilles. Donc, faites attention, vous pouvez faire des grandes oreilles si vous avez envie, hein, à la Dragon Ball. Mais là, on va faire des oreilles assez classiques. Donc, je commence un peu plus bas, je viens vers le haut. Et après, je vais faire comme ceci. Voilà, j'ai plus qu'à définir après le cartilage intérieur. Voilà. Salut DB Drawing, salut Yama Dessin. Depuis tout à l'heure, comment ça va? Donc là, j'explique vite fait des bases et puis on va vite continuer sur des modèles existants, hein, pour que vous puissiez suivre. Mais déjà, c'est bon, au moins pour avoir la base. Et ensuite, il manque plus qu'à l'implantation des cheveux qui va se trouver à un tiers supérieur. En fait, vous reportez cette mesure-là
ici, à peu près. Voilà. Et là, vous avez l'implantation des cheveux. Alors, l'implantation des cheveux, elle va varier d'une personne à une autre. Hein. Elle peut être soit plus haute, soit plus basse, ça va dépendre. Elle peut aussi varier de type. Ça veut dire qu'elle peut être comme ceci. Aussi, vous voyez? Donc ça peut changer. Mais il faut toujours penser à tracer à peu près où se trouve notre implantation au niveau des cheveux, pour que ce soit plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser un petit peu l'opacité de tout ça là. On va affiner notre dessin. Donc forcément, vous, si vous le faites au crayon, tout ce qui est très rouge et très bleu. Alors ça existe, hein, les crayons rouges et bleus pour le faire. Les vrais ont une calvitie, ouais! Tout à fait, Zéfix. Bon, j'espère que tu vas bien, il fait pas trop froid là où tu es. Nous, on se caille un peu là. Je dois y aller, mais je reviens dans 20 minutes avec une feuille et un crayon. Va pas trop vite. Ah, je voudrais faire en même temps. Ouais, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, Audric, de toute façon, il y aura des rediffs. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un tuto, donc on va faire un petit peu de tout comme visage, du cartoon, du BD, du manga, il y aura de tout. Et j'arrive pas à regarder ces tutos en même temps. Attends, je suis nul au digital, j'ai toujours besoin de Lionel pour dessiner. Mais justement, alors essaye d'apprendre les bases, ce que je viens de montrer ici, pour après le dessiner d'imagination. Une fois que vous connaissez bien vos bases, ben vous pouvez vous détacher d'un modèle ou d'un tuto et essayer de reproduire ce que vous avez appris. Est-ce que tu viens du sud-ouest parce que tu as un accent? Oui, je viens du sud, Kili. Je suis pas loin de Toulouse. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben on va après détailler notre visage. Alors je vais pas forcément le détailler celui-là parce que il n'y a aucun intérêt là pour l'instant. C'était juste pour vraiment vous apprendre en fait les bases pour créer un visage. Ouais. Là le but c'est vraiment maintenant de reproduire un dessin d'imagination, d'observation par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Je n'arrive pas à avoir une bonne qualité de vidéo, c'est bizarre. Ah mais ça vient de toi alors, parce que moi normalement, je suis en HD là. Je suis en full HD. Il te faut réactualiser la page. Il y a ma dessin. Ils viennent de Marseille. Non, je viens pas de Marseille. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'on peut passer du coup au modèle? Voilà, et après on vient affiner, on vient rajouter des détails. Voilà, si on veut arranger un petit peu la forme du visage ici, ben on peut venir creuser un petit peu le menton ici. Si je veux le remonter ou le faire un peu plus large, ben je peux toujours, là, vous voyez, je peux venir faire ça. Voilà. Si je veux lui rajouter par exemple des lunettes ici, là. Mais je pourrais faire ça comme ça. Voilà. Après, on peut faire ce qu'on veut, hein, du coup. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? S'il te plaît, fais un tuto sur l'anatomie. Non, là aujourd'hui, on est au visage, Daniel. Un tuto sur les muscles. Attendez, aujourd'hui on fait les visages, on peut pas tout faire. Hein. Voilà, et après vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je vais faire lui faire une mèche ici là. Voilà, on va faire très simple, après cheveux en arrière là. Et après le cou, on peut calculer par rapport à l'iris ici, un trait vertical de chaque côté là pour avoir à peu près la même largeur, et après on vient dessiner les épaules. Après on peut lui faire une chemise, on peut faire ce qu'on veut après là. Voilà, allez.
Est-ce que tout le monde a compris là? L'étape de création. Donc ça, logiquement, après, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous amuser à faire des visages d'imagination. Vous pouvez modifier les yeux, vous n'êtes pas obligé de faire des yeux comme ça. Vous pouvez faire des yeux plus ronds, comme ça, une iris un peu plus allongée. On peut épaissir ici les cils, faire des petits cils à l'extérieur, en les affinant bien sûr, comme ceci, pour faire un visage féminin. On peut rajouter des cils un peu plus fins aussi, voilà. Comme ça, on a un regard un peu plus féminin. Vous pouvez vous servir en fait du modèle qu'on vient de voir, mais modifier les éléments du visage intérieur pour après créer le design que vous avez envie. Par exemple, la bouche. Si vous voulez faire une bouche féminine, alors soit vous laissez comme ça et après vous faites un arrondi en dessous. Sur un homme, on va faire quelque chose d'un peu plus droit. Hein, ça veut dire on va former un petit peu plus. Ça va être un peu plus anguleux au niveau des lèvres. Et ça va être un peu plus droit sur la base. Sur l'ombre de la paupière, de la lèvre inférieure. On peut rajouter aussi la lèvre supérieure ici. Voilà. Et voilà, et après, il y a plein de styles, hein, différents. Vous pouvez vous amuser. Est-ce que vous avez compris le truc là? Il y a plein de styles d'œil. Hein. Alors, vous inquiétez. J'avais fait une vidéo sur les types d'œil. Est-ce que vous l'avez vu? J'avais fait une vidéo sur ça. Sur les yeux. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous galérez avec les yeux. Je fais des yeux plein de types d'œil, on va dire, comics, manga, cartoon. Donc ça peut vous aider aussi. Alors n'hésitez pas à aller voir. Tu pourras faire un tuto. Pour Grey de Fairy Tail, alors FC, oui, on dirait qu'il a une kippa, lol. C'est un intello, ouais. Voilà. Tu mérites 100 fois plus d'abo. Bah, écoute, merci Julie. Alors, on y va. Donc là, c'était les bases. Base d'un visage. Donc, on a le modèle de base qui est ici. Donc, le cercle, la ligne verticale, la forme de la mâchoire, la ligne horizontale. Voilà, donc tout ça je l'ai expliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on commence à mettre en forme notre personnage. Mince, annulé. Ici. Voilà. On n'appuie pas trop fort. Hein. Pensez-y. Toutes ces deux étapes, en fait, il faut vraiment pas appuyer. On est dans la recherche. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre recherche, on vient appuyer un petit peu plus fort. On peut atténuer ces étapes-là avec la gomme mie-de-pin pour justement enlever du graphite. Et après, on vient rajouter par-dessus notre dessin final, là, ici, de notre personnage, par exemple. Après, une fois que, selon l'emplacement que vous allez mettre pour votre bouche, ça va changer, on va dire, votre personnage. Vous voyez, je peux monter la bouche, il aura un design un petit peu différent, regardez. Donc on peut vraiment s'amuser à créer tout un tas de personnages comme ça. Je dois y aller, désolé. Waouh, Samuel, tu vas pas finir les tutos là. C'est pas Julie, mon nom c'est Gabriel. Ben ouais, ben vous utilisez un pseudo Julie, donc forcément, voilà. Bienvenue Deinos. Où c'est que tu as vu Deinos? Julie, c'est ma mère. Ok. Donc il te faut te créer un compte alors du coup, Gabriel. Allez, on va passer du coup, maintenant je pense que vous avez compris. Ça, on va le mettre dans un nouveau calque. Je vais l'appeler base. Base. Ah, ouh, j'ai pas tout mis dedans là. Voilà. Ok. Alors, on va faire un visage. On commence par quoi? Demon Slayer, One Piece. Je me suis trompé là, non? Je suis enlevé. Alors j'ai effacé My Hero Academia là. Il y avait du Naruto. Alors soit du Naruto, soit du Demon Slayer, soit du One Piece, soit du My Hero Academia, soit du Disney. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en premier?
Je viens de finir mon pochoir, j'arrive. Ok. Demon Slayer. Non, mais alors là, c'est juste les choix que je viens de dire. Parce que j'ai préparé des dessins, donc je peux pas tout repréparer. En plus, Naruto, du coup, j'ai tout paumé, quoi. J'avais tout préparé tout à l'heure, Naruto, là, j'ai tout paumé. Je vais refaire vite fait. Parce que c'est pour que vous puissiez suivre en même temps que moi, là. J'ai dû effacer le dossier sans faire exprès. Je vais le refaire, tant pis. Il y avait qui? Il y avait Kakashi. Le temps que vous me donniez vos réponses. Je refais un petit peu là. Ah, j'avais déjà fait ça tout à l'heure, hein, avant de commencer le live là. Après, j'avais préparé quoi là? Il est où? Il est où? Voilà. J'ai dû l'effacer sans faire exprès tout à l'heure là. Ok, on va créer un dossier. Ouais, c'est bon. On va sauvegarder pour pas perdre tout ça là. Enregistrer. Alors, vous avez voté quoi là? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Demon Slayer. Naruto. Naruto Demon Slayer. Bonjour. Salut Dinette. Mais Kakashi, il est badass. Demon Slayer. Bon, mais alors, il y a plus de Demon Slayer pour l'instant. De toute façon, on va en faire pas mal, hein, donc vous inquiétez pas. Allez, on va commencer par du Demon Slayer et on va faire Nezuko. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Je vais mettre tout ici là. Je vais pas aller chercher à chaque fois mes outils là. Bon, vous connaissez ce personnage là. Est-ce que ça vous paraît dur ce personnage? Alors on va pas le faire en couleur, hein. On va le faire en... juste le dessin, juste le visage. Hein. Est-ce que ça vous paraît dur? Un peu. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment faire, comment s'y prendre. Alors, le but, c'est pas de recopier vraiment trait par trait exact. Voilà, on n'est pas au millimètre. Il faut juste qu'on reconnaisse le personnage avec la construction qu'on a vue tout à l'heure, à cause des cheveux. Alors, t'en fais pas parce que là, les cheveux sont très faciles. Alors, on y va. Alors, je vais baisser un petit peu l'opacité du personnage. Donc, logiquement. Avant de dessiner ce personnage-là, il faut qu'on y adapte dans notre tête le modèle de base, la construction de base d'un visage. C'est-à-dire que mon crayon, ici, là, on a le fameux rond. Vous vous rappelez de ça? Je vais baisser un petit peu plus l'opacité. On a le fameux rond qui représente le sommet du crâne. Là, les proportions standards ne sont pas respectées. C'est ce qu'on appelle la stylisation d'un personnage. Voilà. En fait, les personnages manga sont très stylisés. Mais au final, ça revient au même. Donc, on a notre rond. Ensuite, on va avoir notre trait ici vertical. On va avoir
notre mâchoire, donc du coup, qui va faire comme ceci. Alors, vous inquiétez pas pour le rond qui dépasse, là, on s'en fout de ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, on peut l'arranger comme ça, là. Notre dessin. Ça, c'est l'épaisseur des cheveux qu'il y a ici, là. Donc, ça, c'est pas important qu'on soit pas précis au millimètre. Et après, on vient vers notre mâchoire ici. Vers le bas du menton, je veux dire. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà la forme du visage. Il manque plus qu'à définir du coup la hauteur des yeux, qui est légèrement courbée, parce que notre personnage, il a, j'ai l'impression qu'il a la tête légèrement vers le haut, qui regarde vraiment vers le haut, parce que regardez, si j'aligne le nez aux oreilles, le personnage, il n'est pas droit, 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 il est légèrement comme ça. Pas comme ça. Si on se tient bien droit, la ligne des yeux, elle s'aligne aux oreilles. Si je lève légèrement mon regard, mon oreille forcément sera plus basse. Donc ici, on a notre modèle de base qui ressemble à ça. Donc ça veut dire que déjà, si vous arrivez à construire ça, vous avez tout bon. Comment on allume sa tablette? Quelle tablette? Reseille. Est-ce que vous êtes OK là? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voulez que je vous le laisse ce modèle de base pour le reproduire? Est-ce que vous voulez que je vous le laisse ou que je l'enlève? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon allez, on y va. Donc on va faire. Alors on. Je suis pas obligé de le faire dans la même taille à côté. Hein. Donc on fait un rond. Ok? Alors là, je regarde pas forcément la même dimension du visage. Hein. Je refais un visage à côté en suivant les proportions de base voilà, d'un visage. Donc là, mon trait vertical. Voilà. Je m'aperçois du coup, quand je mesure la hauteur du visage comme ceci, là, du personnage. Ben. Il n'est pas si long que ça, hein. Donc le menton il va être à... il va pas être trop bas quoi, il va être à peu près par ici. Salut Wild Guy, t'es sur 144p? De quoi tu parles Itachi? Là je suis en Full HD là. Enlever quoi? Je comprends pas. Et ta chienne levé quoi? C'est à qui tu parles en fait? Allez, on y va, on continue. Donc après, on fait du coup ben, le bord de la mâchoire comme ceci, et après on vient définir du coup le retour ici comme ça. Voilà. Là, pas besoin d'être précis au millimètre, parce qu'on pourra toujours venir arranger après. On construit d'abord notre visage. Je parlais à un mec dans le live. Ah, d'accord, ok. Ah oui, tu parles de la qualité d'image. Il doit pas avoir beaucoup de débit. Allez, une fois qu'on a fait ça, donc on regarde la distance qu'il y a entre le bas du menton et la ligne des yeux du personnage, donc du modèle, et on compare avec le sommet du crâne. Donc il doit arriver là. Ça veut dire que normalement. Je fais la moitié entre là et là, et logiquement, j'ai la hauteur de mon visage. Des yeux. La hauteur des yeux, pardon. Voilà. Après, si vous inquiétez pas, si jamais vous vous trompez, vous pouvez toujours gommer, hein, et replacer votre trait. C'est pas interdit de gommer, hein, je veux dire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après, on va pouvoir placer les yeux. Bon, il faut relancer le live si jamais ça bug. Après, on va dessiner du coup les yeux. Donc là, ici, les yeux, regardez bien. Ils sont quand même assez grands. Hein. Regardez la distance des yeux là, ici. Là. Donc là, on est dans du manga vraiment très stylisé. Donc l'écart ici, il est un peu plus petit.
que l'œil. Donc n'hésitez pas à bien placer d'abord vos repères ici sur votre feuille. D'accord? Vous voulez que je vous laisse les repères ou pas? Je ne sais pas s'il y en a qui suivent le tuto en même temps que moi. Alors. Compliqué là. Alors on va faire comme ça. Je vais avancer le tuto et puis vous verrez. Donc elle a des grands yeux. Voilà, très courbé comme ceci. Donc là, la paupière extérieure, ici, elle tombe plus bas que celle qui est à l'intérieur. Donc faites attention quand vous faites votre paupière. Il faut bien faire tomber cette paupière-là. Ensuite, on va venir placer du coup l'iris. Donc elle a des grands yeux, hein, donc attention. Hein. Donc là, l'iris, il vient à peine effleurer le haut de la paupière supérieure. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a un effet de lumière dans le coin. Alors, pour l'instant, c'est juste un croquis, donc on va pas venir détailler. On peut rajouter, si vous avez envie, les cils pour commencer à les mettre en place. Hein. Ça, c'est après, c'est à l'ancrage ou au crayonné un peu plus précis qu'on viendra affiner tout ça. J'essaie, mais je galère. Rien qu'à faire un cercle propre. Et pas besoin qu'il soit propre, ton cercle. Regarde, je fais exprès de faire des cercles dégueulasses. Alors, regarde. On s'en fout qu'il soit de traviole. C'est juste une fondation, ça, juste pour t'aider. À la fin, on le verra plus, ton cercle. Ah, ben, merci à toi. Alors, on y va. Le nez. Bon, après. Enfin, avant le nez, il y a quand même. Ici, il faut dessiner la paupière inférieure, hein, qui est plus petite. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de que tout soit précisé dès le premier coup de crayon. Hein. On peut venir arranger après. Donc, le nez, regardez où il se trouve le petit rond là. À hauteur de la paupière inférieure. Hein. Donc c'est facile du coup pour le placer. Voilà. Les oreilles. On va surtout voir le bas des oreilles ici là. Qui est là. Logiquement l'oreille elle doit continuer à peu près par là. Voilà. À peu près. Elle ne doit pas arriver totalement ici. Donc de toute façon le haut il est caché. Le truc que vous devez retenir c'est que l'oreille... Elle commence un peu plus bas que le nez. Il y a à peu près ça de distance. C'est ça qu'il faut repérer en fait. Il faut projeter des lignes dans notre tête en fait. Hein. On ne les trace pas. Là, je vous les trace sur le modèle pour que vous compreniez ce que je vois dans ma tête. J'espère que cela dépassera la barre des... Alors, on y va. Donc, l'oreille un peu plus bas. Donc, ça veut dire que je vais la faire commencer ici. Donc, ici de chaque côté. Regardez, dans ma tête, hop. Et après, je trace mon oreille de chaque côté. Voilà. Je la détaille pas parce que de toute façon, elle va être cachée. Donc, on peut s'amuser à faire un petit peu de cartilage, là, si vous avez envie. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde, là. Voilà. Bon, ici, il n'y aura pas de bouche. Mais le parchemin, regardez, il commence. Ben, à peu près là où j'ai tracé, hein. Il commence ici, donc on peut le tracer. Il finit pile poil au commencement de l'oreille, comme ceci. Et après, il s'arrête à peu près par là. Voilà. On fait une forme simple, on fait une sorte de rectangle pour l'instant, on ne détaille pas. On ne détaille pas. Voilà. Qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer les petits détails ici, des traits de paupières. Voilà, comme ceci. De chaque côté. Et après, il va manquer aussi les sourcils qui sont là. Donc faites attention à l'inclinaison. Hein. Ils vont vers le bas, hein, comme ceci. Hein. Donc on fait attention à l'écart qu'il va y avoir là, à peu près. Hein. Je l'enlève. Et faites attention aussi au commencement. Alors vous avez vu, c'est pas tout à fait pareil de l'autre côté. Hein.
De toute façon, on n'est pas totalement symétrique. Et puis là, bon, ça dépend aussi. Donc là, on va essayer de faire pareil quand même. Donc là, hop. Voilà. De l'autre côté, pareil. Tombe vers l'extérieur. J'affinerai. Alors, je peux utiliser ma gomme, hein. Arranger des trucs, hein. Voilà. Là, on a fait le plus dur là. Si vous en êtes là, le plus dur est fait. Si vous en êtes là. Pourquoi tu fais les oreilles alors qu'on voit? Parce que ça permet de savoir si tu as compris comment on place les oreilles, hein, déjà. Parce que si de base tu sais pas les placer. Mais plus tard, ses cheveux venaient, s'il devait y avoir par exemple un courant d'air sur ses cheveux, que les mèches devaient faire ça, logiquement on verrait les oreilles. Donc il faut être capable de les visualiser, même si on ne les voit pas sur le dessin, sur le modèle. Alors, les sourcils, voilà. C'est ça dans mes dessins, j'essaie d'être le plus précis au premier trait. Et voilà, il ne faut pas être précis dès le premier trait, on s'en fout. Là, on est croquis là pour l'instant. Salut, je ne commande jamais, mais je te suis depuis tes tout débuts et sache qu'avec ce rythme, en étant régulier, tu peux atteindre. Merci Subaru à toi. Bon, je veux pas atteindre les 100 000, hein, ça viendra si ça vient un jour, mais bon, voilà, avant tout, je fais des vidéos pour que vous puissiez progresser en dessin. Donc, Killy Art, je vois ma progression grimper en flèche, merci Onel. Écoute, mais ça fait plaisir, Killy. Julie, alors c'est Gabriel, je crois. Mais moi, je suis sur une tablette noire. C'est chaud pour dessiner. Une tablette noire, c'est chaud. Tu veux dire quoi? Une tablette déportée? Ça veut dire que tu regardes ton écran et ta main, elle est là, sur une table noire, là, sur une tablette noire. Toujours y croire aux 5 000. Oui, non, mais je cherche pas. Hein. Si je cherchais les 5 000, j'orienterais mes tutos vidéo sur autre chose. FC. Ok, allez, on y va. Mes traits de construction ne sont pas corrects. Je ne suis pas encore habitué le personnage à la tête de travers. Alors, c'est parce que t'as pas dû tracer tes axes comme il faut dès le début. Il faut bien placer vos axes. Il faut bien placer la fondation, la structure de base du visage. Et grâce à ça, après, vous êtes sûr d'avoir un visage, on va dire, correct. Donc là, il manque à placer du coup l'implantation des cheveux. Donc, on regarde à peu près la distance que vous avez de là à là, à la hauteur des yeux, ici, là, et vous comparez avec le bas du visage, par exemple, sur le modèle. On arrive à peu près au milieu du parchemin. Ça veut dire que je prends cette mesure, je la reporte en haut, et moi, mes cheveux, ils devraient arriver là. Voilà, j'ai l'implantation qui est là. Je trace mon arrondi du haut, parce qu'on a un arrondi là. Donc je trace mon arrondi. Voilà. Donc je vais vous effacer quand même tous ces petits traits là. Je vais faire du ménage un petit peu là. Et une fois qu'on a fait ça, on va tracer les cheveux sur le côté là, qui remontent rejoindre le cercle. Donc ils sont légèrement inclinés, hein. Donc ça fait comme ceci. Alors attention, ça vient couper l'oreille, hein? D'accord? À sa base, hein? Comme ceci là. Voilà. Si vous voulez vous donner une indication, vous tirez un trait vertical et on arrive au coin de l'œil. Vous voyez, ça vient comme ceci là. Donc ça vient comme ceci. Donc là, c'est mon cercle qui ne doit pas être bon, donc je le remodifie un petit peu. Là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on est bon. Le haut du crâne, il n'est pas mauvais. Donc, on a bien le cercle qui fait ça. Alors, vous voyez, je peux être pas précis là. Regardez tous ces petits traits là qu'il y a partout là. C'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, c'est ça, c'est la table de... Oui, voilà, ouais.
Désolé, je dois quitter le live. Ok, à plus. Tu reverras en rediff sinon pour finir le dessin. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va d'abord dessiner ben, le cou. Avant de passer les cheveux, le cou et les épaules. Donc on regarde où commence le cou. D'accord? Par rapport au personnage. Donc là, il n'est pas très centré hein, sur le modèle apparemment. Mais nous, on peut faire autrement. Hein, c'est pas... Donc on peut prendre à peu près l'iris ici. On le place de l'autre côté et là on descend notre cou. Voilà. Qui sera plus court que ça, bien sûr. Salut Fafa! Comment vas-tu, Fafa? Et ensuite, on va dessiner du coup l'inclinaison qu'il y a ici de ses épaules. Donc vous voyez comment ça fait? Ça commence à ce niveau-là. Légèrement un petit peu au-dessus du menton là. Comme ceci, et ça penche comme ça. Voilà. La largeur des épaules. Alors, on va pas faire le buste, hein, vous inquiétez pas, on va pas tout dessiner, on va s'arrêter ici. Hein. On regarde où ça arrive par rapport au visage. Vous voyez? Donc c'est assez large quand même. Voilà, on peut venir s'arrêter là. Voilà. On peut faire le petit décolleté là. Le petit, je veux dire pas décolleté, le col ici. Voilà. Voilà. Et après, ça, on va le continuer comme ça. Et on va pas détailler. On va juste faire la veste qui va faire comme ça là. De chaque côté là. Logiquement. Voilà. Et après, on va pas s'occuper de la veste. Ce qui nous importe, c'est le visage. Oui, c'est de l'entraînement là. Alors, on dirait une fille chauve pour l'instant. Mais c'est normal. Hein. Et pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas les cheveux. Mais oui, mais toi, t'es très mon cercle de croquis. Là, sont même pas symétriques. C'est pas. Est-ce que t'as tracé ta ligne verticale comme ceci là, Deinos, pour que ça soit symétrique? C'est grâce à cette ligne, hein, en fait. C'est le rond, la ligne. J'ai tout expliqué au début. Si de base ton trait il est pas droit, alors on y va. Donc les cheveux, on va d'abord faire les mèches. On va monter un petit peu là. Maintenant on va enlever là tout ce bazar là. On va accentuer un petit peu. On va faire d'abord la mèche qui est là, qui fait ça, qui fait comme ça là, tac. Donc on la dessine. Ben, vous tracassez pas si c'est pas pile poil. Hein. Voilà, une mèche qui fait ça. Qui commence d'ailleurs ici. Alors je vous la détaille la mèche. Voilà, qui vient là. Comme ceci là. Et après, l'autre mèche là derrière. Ça. Il sort vers l'extérieur, mais elle sort à partir de l'œil. Donc ça veut dire qu'on redescend et à partir de l'œil, on vient vers l'extérieur. On fait attention où se trouve cet angle, à peu près à hauteur du menton. Donc tout est indiqué normalement. Et après, on revient vers l'intérieur. Et là, on a notre mèche comme ceci. Et après, on peut dessiner du coup, hop. Les cheveux qui viennent comme ça, et comme ça, et comme ça, et qui sortent vers l'extérieur. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Après, vous allez voir qu'on va tout arranger avec l'ancrage. Donc de l'autre côté, on a pareil, on a une mèche qui va venir, donc du coup, qui commence ici, qui vient vers l'intérieur. Comme ça, qui ressort comme ça. Voilà. On n'est pas obligé de faire au millimètre. On sait que là, elle fait comme ça, comme une sorte de vague. Donc on essaye de reproduire le phénomène. Donc là, elle fait comme ça, mais on suit la même épaisseur, on vient vers là et on rentre vers là. Voilà. On va faire pareil pour la mèche à l'extérieur. Donc toujours pareil, elle suit à peu près le même rythme que celle qui est ici, là. Donc on descend ici, on commence à tourner vers là. On vient vers l'extérieur et là on redescend à l'intérieur comme ceci, tac, et après on revient comme ceci.
Voilà. Et après, on peut dessiner du coup la mèche qui est là, enfin, les cheveux de derrière qui vont faire comme ça et comme ça. Alors, je vais enlever le rouge, donc du coup, je vais refaire le contour de mon visage ici. Attendez, je me suis trompé. Je me suis pas trompé là? Si, j'ai dessiné là-dessus là. Attendez alors. J'ai dessiné sur le modèle. Alors, c'est pas de panique, on peut faire couper-coller. Je vais enlever le rouge après pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, du coup, je dessine le bord de mon visage ici, là. Voilà. Le bas du menton. Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, on y voit plus clair. Est-ce que c'est clair pour vous? On peut gommer le vêtement là ici qui traverse les cheveux là. Le parchemin, maintenant on peut commencer à le détailler un petit peu. Donc on va faire les petits arceaux là ici là de chaque côté. Donc faites attention à l'angle que vous donnez. Hein. Voilà. Et après ici au niveau de l'œil, on va avoir. Alors peu importe. Hein. On le place. Hein. Il suffit que ce soit à peu près symétrique. Donc là, moi je l'ai placé ici, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Trop stylé ce que tu fais. Eh bien, écoute, merci. J'espère que tu auras des bons cadeaux. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que maintenant on arrange un petit peu le dessin là? Alors, je vais essayer d'arranger un petit peu les. Je vais faire des motifs. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les motifs hein, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment consacré. Donc là, je fais un point. Si jamais. Voilà, on fait d'abord la forme extérieure et après, je fais le motif intérieur. Donc, je fais mon point et voilà. Et je vais relier du coup mes angles. Donc là, pareil. Tac. Tac. Alors. Voilà, un point ici. Alors j'avoue que là, c'est un peu complexe là, mais il faut d'abord. En fait, je dessine presque la forme. Alors vous avez des sortes de triangles en fait, logiquement. Ici là. Vous avez des triangles. Je peux vous expliquer un petit peu sur les tenues. C'est des triangles en fait. Que vous avez partout. En fait, vous avez des triangles comme ça. Ensuite, il y a un point au milieu et on vient rejoindre en fait chaque sommet. On prend chaque sommet du triangle qu'on rejoint au centre du point qu'on a fait. Voilà le symbole à quoi il ressemble en fait. D'accord? Donc là, hop, là logiquement, j'ai le point qui est ici, qui fait ça, qui fait ça. Tac, tac, tac. Voilà. Après, je vais avoir un autre triangle en dessous. Ainsi de suite, qui ça fait ça, ça, ça. On va pas tout dessiner. Hein. Voilà, tac. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Maintenant, je vais rapproprier un petit peu le dessin. Je vais l'ancrer. Comme si je faisais mon crayonné, en fait, final. Tout simplement. Donc, je crée un nouveau calque. Vous. Si vous en êtes là, vous donnez un petit coup de gomme mie de pain et après vous commencez à rapproprier votre dessin avec votre crayon HB, Critérium, ce que vous voulez. Est-ce que tu pourrais aller un peu moins vite? Je vais pas vite, hein. Alors, parce que comme il y a d'autres visages à faire, alors t'inquiète pas, après il y aura la rediff. Il y aura la rediff et vous pourrez mettre pause. Mais il faut que je continue en fait parce qu'il y a d'autres visages à faire. On n'a pas fait le nœud par contre ici là, attendez. Le nœud. Alors par contre, attendez là, ici, il faut définir. Au milieu du visage là.
les cheveux qui font comme ceci là. Voilà. Donc ça va faire comme ça. Après ça va faire comme ça. Et après là ça rejoint du coup le nœud qui va être à peu près par ici. Donc là il y a le nœud. Voilà, qui va venir là. Tac. Qui sort à l'extérieur. Alors comme je vous l'ai dit, pas besoin d'être précis au millimètre. Il suffit qu'on reconnaisse ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Ça suffit. Tac, 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 on a le nœud. Donc là, j'ai bon, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon? Le mieux est l'ennemi du bien. Alors, donc du coup, est-ce que vous voulez que j'affine le dessin ou on passe à un nouveau dessin? Est-ce que vous voulez voir le... Ça prend plus de temps, mais le plus important, c'est la construction. Mais est-ce que vous voulez le voir fini, le visage là? Alors, est-ce qu'on s'arrête à la construction du dessin? On fait un nouveau dessin. Voilà, on fait que les constructions, comme ça au moins. Un nouveau, c'est bon. Non, moi c'est bon. Donc, non, moi c'est bon quoi? Moi, un petit line. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire les croquis des visages pour ce premier live. Et après, on fera, je pense, un live pour les lines, pour rapproprier un croquis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne idée. Au moins, là, on se concentre vraiment sur la construction du dessin. Et après, un live sur rapproprier son dessin. Ça serait pas mal. Et on se servirait des dessins qu'on a fait dans ce tuto. Ça peut être mieux, même. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, j'enregistre. Enregistré. Donc on se servira de ce croquis du coup pour faire le line dans un nouveau live. Au moins on fera vraiment live tuto dessin visage et live ancrer un dessin. Que je pourrais faire soit en numérique et j'imprimerai mes croquis et je ferai aussi des lines à la plume, à l'encre de Chine. On va en faire plusieurs ancrages différents. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, nouveau dessin. Donc on va partir... ça je vais le laisser comme ça. Alors Demon Slayer, c'est fait. Il reste. Alors Naruto, One Piece, My Hero Academia ou Disney? Naruto, One Piece, My Hero Academia ou Disney ou BD, il y a griffe des légendaires. Qu'est-ce qu'on fait? Disney, My Hero Academia, Naruto. Alors attendez, il faut que je note. Parce que on vote là vite fait. Naruto. My Hero. Disney. Donc, alors. On en est à un point là. Naruto. Naruto. Hop. My Hero Academia. Salut Gemini. Disney. Hop. My Hero. Disney. Naruto. Alors, on n'a pas le droit de répéter 50 fois le même message, Nicole. Je comprends pas. Je comprends rien à ce qui se passe dans le chat. Je vais faire un visage, en fait. Il faut choisir entre un visage de l'univers Naruto, My Hero Academia ou Disney. Disney. My Hero Academia. Marre du manga. Bon, c'est vrai qu'on vient de faire un manga. Alors, on va faire un Disney. Allez. On va faire un Disney. Alors vous inquiétez pas, on va tous les faire, hein, de toute façon. Donc, on va tous les faire, vous inquiétez pas. Alors. Soit on fait Hades, soit Maléfique. Soit Scar. Hades, Maléfique ou Scar. Il y a des votes aujourd'hui.
Les mecs bourrinent le même nom. Oui, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète, j'ai pas pris en compte. Wits, Sojda. Le lion, Scar. Alors. Scar. Gemini Maléfique. Scar. Oh, on dirait que Scar gagne. Maléfique. Scar. Ça peut changer aussi de faire un animal. Hein. On est toujours dans la même construction. Julie, Vincent, quand tu les auras tous faits, on aura déjà fait le goûter. Ouais, c'est clair. Non, mais là, on va faire un univers chacun. Donc, c'est 11h40. Bon, allez, on va faire Scar, va. Scar. Donc, Scar, c'est pareil. Hein. On va se servir, en fait, du modèle de base pour créer un visage. Oui, il y aura une rediff, Bastien, t'inquiète pas. J'explique d'ailleurs la construction d'un visage au début du live. Et maintenant, on met en application. Donc, pour faire Scar, du coup, ça tombe bien qu'on change un petit peu, qu'on fasse un animal, parce que c'est ça, on doit s'y prendre exactement pareil. Ce qui veut dire que logiquement, ici, je vais avoir la base du visage du lion. Je vais quand même tracer ici l'axe du visage. Donc qui partage le visage par le milieu. Donc c'est là qu'il faut bien mettre votre ligne droite. Hein, on est d'accord? Je définis ici le bas du menton. Alors faites attention, on ne va pas définir les poils. Hein, mais bien le bas du menton. Donc il faut être capable de départager une touffe de poils ou de cheveux à quelque chose de dur. Donc on sait que le menton vient à peu près par là et que les poils, ils sont à peu près par ici. D'accord? Ils sont rattachés au menton. Une fois que j'ai ça, ben je dessine du coup ma mâchoire. Voilà, qui fait comme ceci. Tout simplement. Et après, on va définir la hauteur des yeux. Là, on a tout. Alors, regardez. Par rapport à un visage classique. Regardez. La différence. Attendez, je gomme ça. Hop. Alors, vous voyez la différence qu'il y a entre un visage humain et un animal, un petit peu cartoon. Il est. Ouais, c'est pas grave qu'il soit flou, t'inquiète. Il faut juste regarder les traits. Je vais le refaire de toute façon. Bonjour tout le monde. Salut Nadia. Vous voyez la différence entre le modèle de base du lion et du modèle humain? Donc humain ici et lion ici. Il y a quand même une sacrée différence. Alors. Donc en premier, il faut construire ce modèle. Donc on va le faire. La gomme. Donc ce qui veut dire, je reprends mon rouge. À chaque fois, je vais faire comme ça. Je fais mon rond. Donc, je fais un rond. Alors, il peut être plus petit le dessin, on s'en fout. Hein. Je fais mon rond. Alors, regardez. Pas besoin qu'il soit parfait. Regardez, je fais 50 traits, même si je déborde ici, on s'en fout. On a la base, on a la fondation. Voilà. On a une fondation. On trace un trait, après, vertical, qui partage le visage par la moitié. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est au placement du menton. Il faut pas le mettre ici. D'accord? Regardez la tête du lion. Il a la mâchoire vraiment allongée. Oui, le menton est beaucoup plus allongé. Donc il faut faire la base du menton beaucoup plus basse. Si je mesure d'ailleurs entre là et là, on a la même distance à peu près entre le bas du cercle et la hauteur des yeux. Au final. Mais ça, c'est. Voilà. Donc on dessine ça, on fait, vous allez voir, de toute façon ça va y ressembler quand même. On fait ça, et là on a notre base. Voilà pour le lion. J'ai plus qu'à définir maintenant la hauteur des yeux. Ici, que je vois à peu près par là. Voilà. Donc logiquement. On doit être à peu près comme ça.
Voilà, vous devrez avoir à peu près ça. 1, 2 et 3. Et après, on verra s'il faut rajouter ici. On peut toujours rajouter s'il manque un petit peu de sommet du crâne. C'est pas important. Je vais vous effacer les traits qui servent à rien là, parce que ça va vous tromper tout ce bazar là. C'était juste pour vous expliquer ça. Voilà. Est-ce que pour l'instant vous avez saisi le truc là? Là on a la base. Ça veut dire qu'on peut construire notre lion. Je prends le crayon bleu. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Reseille. Lionel, j'ai changé mon pseudo, c'est... Ah ok Adèle, ouais, c'est dur à retenir après, arrêtez de changer vos pseudos. Ouais, il a le menton en galoche. Voilà. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça serait bien qu'on arrive aux 50 comme d'hab. Donc on va placer du coup les yeux. Donc faites attention pour les yeux là. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez. L'écart qu'il y a entre les deux yeux là. Qu'est-ce qu'on remarque? Merci Gabriel. Voilà. Donc on a un œil entre les deux yeux. Alors sauf que les yeux sont inclinés, donc faut faire attention. Hein. Donc on y va. On va prendre à peu près les repères qu'on a ici. Voilà. Et il faut qu'on à peu près on ait le même écart en fait entre là et là. D'accord? Alors il est pareil à peu près. Si tu le prends dans le sens de la largeur. Bon, je vais effacer ça moi. Et là on va dessiner du coup la paupière supérieure. Donc là il faut faire attention, l'œil il est incliné. Hein. Il fait comme ceci là. Il fait comme ceci et comme ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Il a un regard un peu méchant, ce cas. Donc on va épaissir un petit peu le coin. Il a un cil qui ressort ici. Voilà. Après, on va dessiner ici la petite tache là. Le coin de l'œil là. Les yeux, c'est le même principe que pour les humains. Oui. Ben, c'est le même principe en fait. Tout est pareil. Une fois qu'on connaît les bases humaines, eh bien, on doit pouvoir être capable de se démerder pour faire n'importe quoi. On doit pouvoir adapter. Une fois qu'on a fait ça, ben, on n'a plus qu'à dessiner du coup l'iris. De chaque côté. Voilà, la pupille. On peut faire les plis des paupières. Le trait là, ici là. Voilà. J'aimerais faire un don, mais j'ai pas le numéro de carte bancaire. Ouais, non, mais va pas tenter. Ceux qui peuvent, vous le faites, mais sinon, non, ne vous amusez pas. Voilà. Alors, on va placer maintenant la truffe. L'œil de droite est plus grand que celui de gauche. Alors, oui, bon, après, il y a des modifications. Même si tu le fais pareil, on le reconnaîtra quand même, t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'après, quand tu dessines, forcément, t'as toujours, même nous, hein, on a un œil qui est un peu plus grand que l'autre, pas incliné pareil. Ça peut dépendre. Voilà. Alors, on va faire, du coup, le bout, là, ici, là, qui fait comme ceci, là. Vous voyez, une sorte de cercle, là. Une fois que vous avez fait votre cercle, après, on va dessiner ce qu'il y a en dessous. Donc on fait notre cercle, on regarde où ça arrive hein, par rapport à l'œil, regardez bien, ça arrive au niveau d'iris. Ça veut dire que logiquement, je dois arriver, mon cercle doit arriver là, voilà, comme ceci. Et après je viens dessiner, je viens détailler la truffe.
ici là, comme ceci. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est du croquis. On n'est pas là pour détailler, vous ne détaillez pas. Vous ne détaillez rien du tout. Salut, j'y vais vraiment cette fois-ci. Ok, à la prochaine alors. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut dessiner. Du coup, je vais effacer un petit peu les repères que j'ai mis sur le modèle, sinon on n'y voit que dalle. Je vais atténuer un petit peu ça là. Voilà. Voilà, voilà. On peut dessiner après ben, les orientations, là, les courbes ici au niveau du nez. Voilà. Alors moi je pense que mon cercle était trop allongé par rapport à au modèle de base, donc il faut que je le monte un petit peu. Donc ce qu'il y a de bien avec Digital, c'est qu'on n'a pas besoin de gommer pour modifier. Ça c'est pas mal. Après on va dessiner du coup ben, la bouche. Hein. Donc on va faire ça comme ça. Ah, là. C'est pas compliqué là, au niveau de la bouche. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire les sourcils. Où là, ça va commencer à prendre forme avec ça. Donc il monte comme ceci. Il dessine un petit peu le contour de du visage ici, vous voyez, ça fait ça, ça démarque bien l'arcade. Donc ça fait comme ça. Voilà, on va épaissir un petit peu. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on essaie de rejoindre, toujours pareil, le coin de l'œil ici, là. On est toujours dans la construction, hein. On n'a pas besoin de détailler, surtout vous évitez. C'est quoi ton, c'est Sketchbook Pro, mon logiciel des coups. Mais en fait, ce logiciel, moi, je le trouve mieux que Photoshop parce qu'il est, il ressemble vraiment à ce qu'on fait en traditionnel au niveau de la, ben, déjà de l'interface. C'est quand même assez simplifié. On retrouve bien nos pinceaux qui sont tu vois, représentés par des icônes ici. C'est, on a un grand écran où on voit une belle page blanche. C'est pas fourni de plein d'icônes. C'est pas, ça fait pas usine à gaz, quoi. Donc là, on a fait le plus gros. On a fait le plus gros. Maintenant, il manque plus qu'à former un petit peu le contour du visage. Est-ce que tout le monde en est arrivé là? Est-ce que tout le monde en est là? Est-ce qu'on peut continuer là? Alors vous inquiétez pas pour le line, hein, on le fera dans un autre tuto. Là on fait que la création du croquis. J'ai jamais essayé de dessiner numériquement. Ben ça va bien, c'est comme quand tu dessines à la main. Là je trouve que pour moi, pour vous expliquer, c'est mieux. Parce qu'au moins je peux mettre le modèle à côté, je peux construire le modèle de base sur le modèle, pour moi c'est mieux pour vous expliquer là. Et puis on y voit mieux. Parce que des fois l'éclairage des caméras c'est pas terrible. C'est mieux non? Vous y voyez mieux comme ça là. Non, il est devenu payant. Oui, c'est maintenant c'est 20 euros le logiciel. Mais c'est qu'une fois, tu le payes une fois et c'est gratuit à vie. Avant il était gratuit, maintenant il est passé payant. Mais comparé à Photoshop, c'est 25 euros par mois. Tu peux jamais l'avoir. Hein. Ah. Pour toi, il faut, c'est un abonnement Photoshop. T'as d'autres logiciels gratuits après, hein, mais moi c'est, t'as Clip Studio Paint qui est pas mal aussi.
à choisir entre Photoshop et Clip Studio Paint pour le dessin, je préférerais, tu vois, Clip Studio Paint. Il est bizarre le dessin, pourquoi il me regarde avec ses yeux? J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose. Allez, on construit le reste, on y va. Donc en haut, on va commencer à tracer du coup l'implantation ben, de sa crinière. Ici, vous voyez, c'est ce trait qui est là. Voilà. Donc on commence à tracer ça. Ensuite, on va tracer l'implantation de la crinière au niveau des joues, comme ceci là. Donc il commence sur le bord du visage. Ça sort comme ça. Ça remonte au-dessus du nez là. Ça vient à peu près par ici. Ouais, ça fait ça et ça redescend comme ça là. Ça fait ça, ça fait ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est finir au niveau de l'œil, là, tracer de chaque côté. Là, on n'a pas tracé ça tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, là, il a une cicatrice. Il me semble. On ne le voit pas bien, là, mais il y a une cicatrice. Là, ici, ça redescend comme ça après. Donc ce trait, on peut le tracer, là, de chaque côté. Et on refait pareil. On remonte ici, on redescend. On vient de chaque côté, comme ça, tac et tac. Tac, 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 tac. Tac, tac et tac. Et là, on n'a plus qu'à descendre sur le bord. Comme ceci. Voilà. Et là, on peut dessiner, du coup, les fameux poils au niveau du menton. Voilà. Que si j'enlève le truc rouge, vous voyez, on le voit bien. Vous voyez là, le truc? Ouais, Clip Studio, il est top, Gemini, ouais. Plus cher, mais lui aussi, on le paye qu'une fois, c'est ça. Mais il y a souvent des promos, je crois que tu peux l'avoir à 70 euros, il me semble, non, Gemini, quand il est en promo. C'est pas ça? La version dessinateur? Alors, maintenant, on va placer ben, la crinière, quoi. Donc, on va dessiner le trait de chaque côté. Et on va placer ses oreilles. Après. Donc ça monte un peu plus haut. Vous voyez, ça monte à peu près au-dessus de. Presque au niveau des sourcils. Donc n'hésitez pas à monter parce que on va s'en servir pour tracer les oreilles. Donc l'oreille. On sait que la pointe de l'oreille, là, c'est la hauteur des yeux. À peu près. Donc on vient ici et après on n'a plus qu'à monter comme ça. Là. Voilà. Et après, on redescend au niveau à peu près de ce qu'on a tracé ici. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et le petit trait là, tac. Et après, on peut tracer la crinière qui continue sur le dessus là et qui vient comme ça là. Et là, on n'aura plus qu'à dessiner sa mèche au-dessus. Ouais, mais enfin, dessiner sa tête. Dessiner sa tête flippante. On a enfin dessiné. Oui, voilà. Ben, c'est bien, ça change un petit peu de dessiner Scar. Donc là, on va dessiner du coup ben, la mèche qu'il a ici. Donc, on va faire un trait qui va venir comme ça. Un petit peu vers l'extérieur. On va revenir de la racine ici. Vous voyez où on est à peu près là. On est à peu près par là. Hein. Et après, on vient vers l'extérieur comme ceci. Et on va simuler. Alors peu importe la mèche, ça ne va pas vous changer la vie. Hein. Vous faites à peu près, voilà. Hein. On va le reconnaître, ne hein, vous inquiétez pas. On n'est pas là pour faire pile poil. Hein. Ça fait combien de temps que vous dessinez? Ça fait longtemps. Bon, qu'est-ce qui manque là? Il manque pas grand-chose en fait là. On va dézoomer un petit peu l'écran. Il manque plus qu'à dessiner du coup la crinière là ici à l'extérieur.
Alors on peut faire comme on veut aussi. On fait une courbe qui va venir comme ceci, comme une vague un peu, qui vient comme ça et qui revient. Donc une bosse, un creux, une bosse, un creux, et une bosse de nouveau. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient à l'extérieur, une bosse et un creux vers là. Et après on fait notre mèche. Nos mèches. On détaille pas. On verra l'ancrage. Et là voilà, on a notre croquis de Scar. On le reconnaît. Hein. Voilà, le but c'est voilà, c'est vraiment de reconnaître le personnage. Là, je monte un petit peu plus ici. Là, pareil, vous voyez, on peut faire des modifications. Alors, les modifications, on pourra les voir aussi à la phase ancrage. Mais là, on est bon. Est-ce que tout le monde a réussi à le faire? Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ce cas? Alors moi je l'ai fait un peu plus petit, hein, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer au dessin suivant? C'est la première fois que j'ai un résultat aussi ressemblant. Je te remercie énormément. Mais écoute, félicitations à toi, Kili. Merci, 8 soldats. Donc ça, c'est le croquis. C'est pas, il n'y a pas d'ancrage encore. Hein? Rappelez-vous, on fera un live spécial pour faire, pour fignoler notre croquis. J'ai galéré un peu pour son œil. Ouais, on peut toujours modifier, t'inquiète. Voilà. Le tout, c'est de reconnaître l'expression du visage de. Parce que même si tu regardes le dessin animé, ça varie hein, d'une image à une autre. Hein. Bon, bah écoutez, c'est quelle heure? Midi 2, on va faire un autre. C'est bon, on peut changer de dessin? Allez. Vous inquiétez pas, de toute façon, il y a la rediff. Vous pourrez revenir sur le dessin, c'est pas un problème. D'ailleurs, je vais créer un dossier Disney là. Renommé. Je me suis trompé. C'est pas ça que je veux faire. Calque du groupe. Voilà, je regroupe tout. Et là, je vais renommer Disney. Disney. Ok. Un petit enregistrement. Ok. Let's go pour un autre. Je crois que cela fait environ 4 ans que je dessine. Ok. Bon, moi, je vous laisse. J'ai un poivron qui m'attend. Ah, mais bon appétit et bonne cuisine à toi, Gemini. Alors, on a fait Disney. On a fait bon, Demon Slayer. On va en faire un dernier. Donc, Naruto One Piece ou My Hero Academia? Allez, dernier, Naruto One Piece ou My Hero Academia. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, pour ce live. Alors, Naruto One Piece, My Hero Academia. My One Piece. Je parle du dessin. Ah, ok, j'ai mis, ok. Alors, One Piece Naruto. One Piece My Hero. Alors, répondez qu'une fois. Hein. Je vois vos messages. Hein. Il faut du matos spécifique. Non, pas forcément. Tu prends un PC classique. Un PC que tu trouves maintenant partout. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait au moins 4 Go de RAM. Hein, au minimum. Il tournera ton logiciel dessus, Sketchbook. Après une tablette graphique, j'en présente plusieurs sur ma chaîne, donc tu peux aller voir, jeter un œil, tu auras toutes les explications nécessaires. Donc, ben c'est One Piece apparemment là. My Hero Academia.
Allez. Donc, dernier personnage, qui va remporter? Qui va remporter entre My Hero ou One Piece? Parce que Naruto, il n'y en a qu'un. Attends, Naruto. Oui, il n'y en a qu'un. Allez, un dernier vote. Hein. Quel personnage je fais? Pour le dernier dessin. One Piece, Killy Hart, t'avais pas voté déjà? Non. One Piece. Donc c'est One Piece qui gagne. My Hero Academia, il y en a un, il y en a deux. My Hero Academia, oh là là. Égalité. Donc, il manque un vote pour départager One Piece de My Hero Academia. Fafa, je l'ai déjà vu. Ton My Hero Academia, il me faut quelqu'un de plus, quelqu'un qui n'a pas voté. Pour savoir le visage que je vais faire entre My Hero Academia ou One Piece. Alors. Eh oui, Audric, c'est compliqué là. Il manque un vote. Allez, qui peut voter là? Je dois faire un visage, le dernier visage. Safwane. Ah, on revient à égalité. Ah, mais attends, Safwane, t'as déjà voté là. Donc. My Hero Academia, My Hero Academia. Bah, c'est My Hero Academia. Matmata, My Hero Academia. Ouais, bon, ok. Bon, My Hero Academia, allez. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Alors, My Hero Academia. On y va. Donc, soit on fait Momo, soit on fait Izuku. Soit Momo, soit Izuku. Bon allez, si on va vite, on fera un One Piece si on a le temps, Audric. Momo. On la voit pas souvent, Momo. Ça serait bien qu'on fasse Momo. Chouchou. Quoi, lui? Donc, ce personnage-là. Personnage qui est affiché, là. Is. What? Hein. Allez, Momo ou Izuku? Elle, c'est Momo. Voilà. Et ce personnage-là, c'est Izuku. Izu. Izu au Momo. Ça y va les votes. Hein. Ça y va les votes. Izu, donc on en a deux. Chachou, c'est quoi que tu voulais dire en fait? C'était Momo ou Midoriya? On est d'accord qu'on le voit partout ce personnage. Hein. Bon, mais tant pis, on va faire Izuku. Allez. On y va. Donc pareil, au niveau de la construction du visage, on est toujours pareil. Donc on a un cercle pour le sommet du crâne. D'accord? On a, je vais baisser un petit peu l'opacité du calque. Donc le cercle, on peut le faire un peu ovale parce qu'il y a des cheveux ici qui cachent. Voilà. Ensuite, on trace un trait du coup vertical pour placer les éléments du visage symétriquement les uns par rapport aux autres. Donc, pour visage de face, toujours pareil. Et après, on va tracer du coup le bord de la mâchoire. On définit forcément la hauteur du menton. Et après, on rejoint notre menton. Voilà. Donc, là, on a déjà la forme du visage. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite, on a juste à placer la hauteur du regard. Voilà. Qui se trouve pile poil au milieu du visage. Ça veut dire qu'on a. Donc là, vous voyez, on rejoint un petit peu quand même le modèle de base de la construction d'un visage humain avec nos proportions humaines classiques. Sauf qu'après, on va styliser les éléments du visage. Mais la construction en elle-même, elle est comme un dessin réaliste. Donc, on va effacer ça. Voilà. Donc, on va reproduire ce modèle de base à côté. Donc, à vous de jouer. Momo serait bien, c'est vrai. Bah, mais tant pis.
Maintenant, on est parti sur Izuku. C'est vous qui voulez souffrir avec les cheveux, c'est pas moi. Alors. Donc, on fait en rond. C'est parti. Donc, faites attention à la dimension de votre visage sur la feuille. Parce que regardez les cheveux qu'il a. Regardez la place que ça prend. Vous avez vu la place que ça prend, hein? Donc faites attention. On trace un trait du coup après un vertical. Voilà. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on va définir la mâchoire. Donc, il a une mâchoire assez carrée quand même. Enfin, assez ronde, on va dire. Pas carrée, mais. Voilà. Voilà. Décaler un petit peu vers là. En fait, c'est toujours le même processus. Toujours. C'est surtout la forme des éléments de visage qui font la complexité. Oui, c'est ça. C'est toujours. C'est ce que je veux vous montrer. C'est toujours pareil, en fait. C'est pour ça qu'après, vous pouvez dessiner un visage d'imagination. Quand vous connaissez votre structure de base, et vous êtes bon après pour faire du dessin d'imagination. Hein. Là, voilà. Je vérifie que mon trait soit bien au milieu du visage, hein, le trait des yeux. Et là, on est bon. Là, on peut commencer. J'ai ma structure, je vais baisser l'opacité, créer un nouveau calque, prendre mon crayon bleu et je vais commencer mes éléments. Le but c'est ça, c'est de connaître par cœur le modèle de base, la fondation du visage. Alors après quand vous dessinez un personnage en entier, il faut connaître la fondation d'un corps en entier, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous connaissez ça. C'est pour ça que après vous arrivez à dessiner d'imagination. Donc regardez ses yeux, c'est quand même assez facile pour lui, parce que regardez. C'est tout simplement un rond, voilà, dont on a tracé que l'extérieur ici, là, pour représenter les sourcils, les cils, je veux dire, et légèrement affiné ici. Faut pas tout tracer quoi, faut pas tracer un rond comme ça, sinon ça va faire un personnage cerné. Donc faites attention par contre, regardez. Les yeux ici sont quand même assez. Regardez là, la grandeur des yeux là. Hein. Par contre, hein. Vous avez vu la largeur des yeux par rapport à l'espace qu'il y a entre les deux yeux là. Donc ça, faites attention par contre. Voilà. Et pareil ici, faites attention au bord, à la distance qui vous reste entre votre œil et le bord du visage. Donc, vous prenez votre repère ici, pour pas vous tromper, vous laissez votre place. D'accord? Et après, vous pouvez faire un rond. Vous pouvez faire un rond là. À peu près. Alors, il ne faut pas dépasser, bien sûr. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, moi, j'ai décalé là. Donc, je vais revenir un petit peu vers là-bas. Mon trait normal, le trait rouge, il est pas bien placé, mon trait là. Ce trait là. Il devrait être un peu plus vert là. Donc on fait attention, on fait notre rond là, ici, là, tac. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Yo MV, ça va bien et toi? En fait, moi je fais jamais de structure. Eh oui, il faut.
Si tu veux après dessiner d'imagination, il faut connaître les structures par cœur. Et c'est grâce à ça que tu vas plus vite après en dessin, en fait. Si vous dessinez un modèle, mais vous dessinez que ce que vous voyez, et vous ne cherchez pas à approfondir le sujet, à comprendre la fondation de ce que vous dessinez, mais après, vous avez du mal à visualiser, en fait. Donc là, je peux atténuer là. Ça. Et je vais avoir mon œil, vous allez voir, il va ressortir, hein, petit à petit. Voilà. Là, je peux m'amuser, voilà, à dessiner maintenant. Donc c'est plus épais vers ici et ça va s'affiner après en dessous. Alors attendez, je sais pas un bouton là, esprit là, pour varier entre la gomme et. Ah voilà. Là. Donc ça, on peut le gommer, on n'a plus besoin de ça là. Et après, on va placer ben, la pupille, enfin, l'iris quoi. Qui va être à peu près par ici. Voilà. Donc là, il y a un effet de lumière qui va être après dans le coin là. Et après, la pupille qui, elle, va être à peu près par ici. Et tout le reste après est grisé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tranquille, tranquille, merci. Eh bien, ok. Salut, je suis nouveau. Ben écoute, bienvenue à toi, tuto Origami. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait des tutos visage. On a fait trois visages différents. Et avant, j'ai fait un visage pour expliquer la structure de base d'un visage. En ce moment, je n'arrive pas à faire de dos avec les structures. Ah. Alors, on y va, on continue. Le nez. Donc vous avez vu le nez? La pointe du nez là, elle se trouve au bas des yeux. C'est-à-dire que logiquement, j'ai la pointe du nez qui est ici, et après ça fait ça. Voilà. Fait comme ça. La bouche, elle va se trouver. Elle n'est pas au milieu. Regardez bien entre le bas du nez et le bas du menton. Regardez bien. C'est ça qu'il faut bien regarder. Elle est plus vers le haut. Vous tracez le milieu, enfin vous visualisez le milieu et vous montez votre trait. Il y a un petit écart ici et un grand écart ici. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, hein, par rapport au visage que vous avez dessiné. Voilà. Donc la bouche, le bas du nez est là. Le bas du truc il est là. Le milieu il est là. Donc je monte un petit peu plus ma bouche. Donc d'abord je trace un premier trait. Et maintenant, je regarde où arrivent à peu près les commissures. On est au niveau des pupilles, là. D'accord? Donc, on fait un petit point ici. On va venir en courbant légèrement notre trait, comme ceci. Là, on peut gommer un petit peu, là, parce que les traits ne se rejoignent pas. Est-ce que c'est bueno pour vous, là? On peut faire les taches de rousseur. Voilà. On peut dessiner un petit peu le bord du visage ici, là. Maintenant. Allez, voilà. Alors, il manque les sourcils. Souvent ta bouche, je la gomme et la replace tellement de fois. Ouais, ben oui, ça, bon, après, c'est pas grave, hein. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de vous, là? J'y arrive quand même pas trop mal, mais je galère plus, du coup. Oui, ben oui, tu arrives. Après, bien sûr, on peut y arriver, hein. Mais c'est après, si tu veux te débrouiller, si tu veux de ce même visage le dessiner tourné, du coup, avec le modèle de Maléfice, on avait un visage de trois quarts. Et en fait, normalement, j'aurais dû vous le faire dessiner de face, même si vous n'aviez pas le modèle. Mais si vous comprenez la structure de base, vous devez être capable, même en voyant un visage de trois quarts, de pouvoir le dessiner vous de face. C'est bueno. Allez, on va dessiner du coup les sourcils qui vont se trouver un petit peu par ici, là.
Bon, même s'ils seront légèrement cachés. On va quand même les placer. Ensuite, on va dessiner les oreilles. Hein. Donc, on va enlever ça pour voir. Alors, les oreilles. On va dessiner l'oreille. On va regarder où elle commence. Légèrement au-dessus de la bouche, donc à peu près par ici. Prenez votre repère, là. Et on va la terminer. En fait, logiquement, elle continue comme ça, là. L'oreille. Elle arrive là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être capable de voir à travers, même si, voilà, même si tout n'est pas dessiné. Il faut qu'on sache où l'arrêter, si on devait la dessiner en entier. Elle vient comme ceci, l'oreille. Donc, vous voyez, ce trait-là, il va vous servir. C'est comme si on faisait ça. On faisait ça, et puis après, on revenait comme ça. On faisait comme ça, comme ça. Hop. C'est une sorte de ligne. Hein. Regardez, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 1, voilà, voilà. 2, 3, 4, et après 5, le retour. Et là, on a notre oreille. Même si elle est cachée après, hein. Et après, on peut dessiner le fameux cartilage. Donc après, on a un style particulier au niveau des cartilages, mais bon. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Je sais, je fais les oreilles en entier alors qu'elles vont être cachées, mais c'est pour prendre l'habitude en fait. On va placer le cou. Donc le cou, on regarde où il arrive. Où il commence, je veux dire. Donc il commence à peu près à la fin de l'iris. Donc on prend comme repère, en fait, l'extérieur de l'iris. Et on vient dessiner notre cou. Voilà. Et après, on va faire la retombée des épaules. On va essayer de visualiser la pente sans forcément dessiner le vêtement. Donc l'ancrage se fait à peu près par ici. Donc si je tire un trait horizontal, on est en dessous du menton. On est à peu près par là. Ça veut dire que la pente, elle va commencer à peu près par ici. Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, il n'a pas les mêmes inclinaisons hein, sur le modèle apparemment. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Ah, tu t'en vas, Fafa, à plus. De toute façon, vous avez la rediff. Hein. Donc, on va détailler vite fait le vêtement avant de continuer le plus difficile, donc qui est les cheveux. Donc, on va faire le col. Comme ceci. Voilà, deux pentes. On va dessiner la cravate, là, qui fait une légère courbe ici. Deux pentes de chaque côté. On n'est pas obligé de suivre exactement le modèle. Vous avez une courbe, deux pentes de chaque côté. On revient avec deux pentes légèrement vers l'intérieur. Une petite pente ici. Ici, on va placer le bout de sa cravate, là. Bon, je pense que c'est une cravate. C'est la mini cravate. Voilà. Et après, vous avez le col de sa chemise qui vient un peu plus haut, forcément, l'épaisseur du vêtement. Voilà. Et qui redescend. Ici, le col, mais on le fera après. Donc, on va d'abord faire la surveste, ici, qui va venir comme ceci, légèrement vers l'extérieur. Et qui commence à tourner à peu près au niveau du milieu de la cravate. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Et on va revenir vers l'intérieur. Et là, on peut dessiner le col de la chemise, en fait, qui se trouve ici. Voilà, c'est le col de la chemise, en fait, que vous voyez ça, avec l'épaisseur du col. Voilà. Et le col de la veste, qui va venir comme ceci. Donc on le fait un peu plus épais. Voilà. Les épaulettes, qui vont être à peu près par là. Tac et tac. Et deux ronds de chaque côté, les boutons, les épaulettes,
ici. Voilà. Donc là, on a le vêtement. Maintenant, on va dessiner les cheveux. Ça, on peut le gommer. Est-ce que c'est clair pour vous là? Ouais, bon, moi c'est bon là. Ok. Donc là, on va s'attaquer au plus dur. Est-ce que vous êtes prêt pour faire les cheveux là? On va d'abord revenir sur le modèle de base. On va créer un calque intermédiaire avec un trait rouge. Et je vais vous expliquer un truc. Quand vous faites des cheveux, déjà il faut qu'on sache à peu près la place que ça va prendre à l'extérieur. Vous voyez? C'est quand même assez volumineux. Donc il ne faut pas faire des petites mèches qui vont venir ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de base, déjà, votre dessin a une certaine hauteur, une certaine largeur sur vos mèches qui correspondent à peu près à la dimension que vous avez entre la ligne des yeux et le bas du nez sur ce personnage. Ça veut dire que là, si je prends la mesure qu'il y a de là à là, j'ai la hauteur de mes mèches. Donc je vous invite à faire pareil, à vérifier sur votre dessin. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Et là, logiquement, vous avez... J'ai perdu mon crayon. La hauteur des mèches de chaque côté. Tac. Tac. Donc là, en fait, les mèches, elles vont venir comme ceci. Elles vont venir là. Voilà, dans ce rayon-là, elle va être placée. Est-ce que vous comprenez ce que je fais là? Donc on y va. Crayon bleu. On va commencer bien sûr par les mèches qui se trouvent à l'intérieur. Donc il y a des trucs que je vais gommer pour pas vous gêner là. On va foncer un petit peu plus le modèle. Je vais gommer des choses sur le visage de Midoriya, là, sur le modèle que vous avez plus besoin là. Voilà. Voilà, et là on va pouvoir s'attaquer aux mèches. Est-ce que tout le monde suit ou tout le monde est parti là? Donc on va faire à peu près, hein. On va pas faire toute voilà, l'exactitude des mèches. On va simplifier un maximum. Le tout, c'est que ça soit quand même cohérent. Hein. Voilà. Donc, on va construire nos mèches comme ceci. Voilà, on va prendre quand même comme exemple les mèches les plus importantes. Hein. Surtout au niveau du visage, là, du milieu du visage, du front. Que tout le monde suit là, ou j'ai perdu tout le monde là. On est toujours là. Ok. Est-ce que pour les cheveux, ça vous y arrivez là? Est-ce que vous y arrivez pour les cheveux? Donc là, pensez que du coup, on va pas voir le haut des oreilles hein, qui vont être cachées par les mèches. Là, du coup, il y a une mèche qui va venir du coup ici, donc elle va venir là, au bas de l'œil là, ici, tac. Et on va faire comme ça.
On va gommer, en fait. Et après, on va commencer à faire l'extérieur de la mèche. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, l'oreille, là, on ne voit pas, là. Cette oreille-là. Tac. Là, c'est le plus compliqué, maintenant, les mèches. Oui, toujours là, ok. Est-ce que pour les cheveux, c'est un problème pour vous ou pas? Voilà, donc là, je vais gommer le haut de l'oreille. Tout simplement. Voilà, donc si j'enlève mon truc, vous voyez, ça se construit petit à petit. On va continuer à construire l'intérieur là des mèches là. Vous voyez? Parce qu'on a le cercle ici là qui nous aide à définir ces mèches là. Ce que vous avez là. En fait. D'accord? Donc on va faire ces mèches là. Tant qu'on est là. Alors, donc là, on va avoir une mèche. Alors, et puis ici, on est là. Oui, le plus dur, quand c'est comme des coups. Ouais, ben oui, des coups, c'est très compliqué, hein, ces cheveux-là. Hein. Le plus dur, c'est comme des coups. Mais sinon, ceux de Naruto, ça va, ouais. Bon, après, des coups. En fait, c'est le style qu'il faut voir au niveau des mèches. Parce que d'un dessin à l'autre, tu regardes dans les mangas, il faut pas se dire, ah, et la mèche, celle-là, il faut la refaire, il faut penser à la refaire à ce même endroit. Ça varie, ça bouge les cheveux, donc il faut simplifier, quoi. Bon, alors, je pense que là, je suis bon. Je vais commencer du coup par les mèches, maintenant, à l'extérieur. Voilà. Moi, j'aime bien faire des doubles mèches aussi, comme à la DBZ. Donc là, on n'a qu'à commencer du coup par ce côté-là, de la gauche vers la droite, et puis on va monter tranquillement. Donc faites attention, vous regardez à peu près où vous vous trouvez. Alors, j'ai bien dit à peu près, hein, on n'est pas là pour, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire exactement pareil. D'ailleurs, cette mèche, moi là, logiquement, elle est plus vers là-bas. Voilà. Voilà, comme ça. Coucou, ouais, les mèches, je les... L'effet à la one again. Oh, c'est Gabriel. Ouais, je t'ai reconnu. Ah, les cheveux. C'est plus dur, là. Enfin, on va dire que c'est pas. C'est qu'il y a il y a du temps. Donc là, logiquement, on devrait être là, ouais, c'est ça. Donc je sors. Tac, là, je sors. C'est très carré, il y a beaucoup de lignes en fait. Hein. On le verra quand on fera l'ancrage, mais c'est beaucoup avec des lignes. Hop. Bon, je déborde un peu parce que moi je suis pas assez monté là.
ici. Voilà, il y a du taf, hein, au niveau des mèches. Donc là, on arrive à peu près au niveau de là. Donc là, je suis bon. Ouais, c'est bon, j'arrive là où il faut. Tac, tac. Donc là, c'était un peu plus long, là, par contre. Voilà. Là, c'est de l'observation, c'est... Voilà. Hein. Je trouve que tu lui as allongé le menton. De quoi tu parles? Moi, le menton, il va bien. Tu peux l'affiner le menton, mais après quand tu feras les ombres. Là, ici, tu peux arranger après. Faire ce que tu veux, une fois qu'on fait l'ancrage après. Salut Isocalme, Re-Sayart. Allez, on arrive à la fin là du coup. On termine les cheveux, donc on va simuler un petit peu. On va pas forcément faire ce qu'il y a à l'image. Hein. On va simplifier un maximum. Enfin simplifier. Faut pas se prendre la tête à voilà, essayer de reprendre exactement ce que vous voyez. Hein. Allez, c'est bon. Tac et tac. Après, il y a certains cheveux qui sont dédoublés, enfin qui sont marqués comme ceci. On peut s'amuser à la Dragon Ball, quoi, à doubler les racines. Ça peut être pas mal. Mais là, on est bon. On a la structure pour après faire notre ancrage. Notre crayonné, en fait, il est terminé là. Voli-volou, je cache un petit peu la structure. Et là, on va dire qu'on a notre Izuku. Je vais enregistrer. On est prêt à l'ancrer. Il me manque un truc ici, là, à rajouter. Mais là on est prêt. Moi je viens de manger. Comment tu colories enfin tu utilises quel outil? Oh ben là ça dépend. Sur quoi? Traditionnel ou numérique? Coucou, ça va? Salut Johan, le poulet c'est trop bon. Bon alors écoutez, ça fait 2 heures qu'on est en live, je pense qu'on va s'arrêter à ce personnage. On aura fait donc on aura vu la construction de base d'un visage. Et on aura fait en tout ben, combien de visages on a fait là? Donc on a fait. Demon Slayer, un Disney, donc on a fait Scar, et on a fait Izuku de My Hero Academia. Voilà. Alors c'est vaste, hein, là, pour t'expliquer, il faudra, on verra ça dans un live colorisation. Tous les outils que j'ai sur le côté, j'utilise pour faire la colo. T'as tout raté, Milduen, Milduen. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez ben, le live en rediff. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça ferait toujours plaisir qu'on arrive comme d'hab aux 50 j'aime. Ça serait bien. Voilà. Merci, ami. Ça, on a dépassé la barre des 40 likes. Ouais. Eh ben, on n'a pas dépassé la barre des 40. C'est pas grave. Alors. Voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc on aura vu la construction d'un visage, donc les croquis, puisqu'après on fera le line
dans une autre vidéo. Donc ça, ça porte à confusion ce trait là. C'était pour vous expliquer où se trouvait au niveau de l'ancrage, au niveau de, du col là. Voilà, enlever ce trait là. Voilà. On enregistre pour pas perdre le dossier. Voilà, voilou. Donc on aura fait trois personnages en tout. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hein. Voilà. Si on l'a dépassé, j'ai juste oublié un. Ah. C'est pas grave, t'inquiète pas, Gabriel. Voilà, voilou, 41 likes pour être précis. Moi j'en vois que 40, mais. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, vous pourrez revoir la rediff de ce live pour ceux qui veulent voir la construction d'un visage. Je vous souhaite un bon appétit, passez une bonne journée. Moi, je risque de faire un live rétro gaming dans l'après-midi. Donc, s'il y en a qui veulent me voir, je vais faire un test sur la Game Boy Advance. J'ai reçu du matériel, donc je vais voir ça dans une vidéo, donc du coup, gaming, donc sur ma chaîne secondaire, Street of Game. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!